Améliorez votre expérience sur Internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur Internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Chers amis, bonjour. Ah là là, bien sûr, que n'avons-nous pas dit de ce match contre Lyon, mais qu'allons-nous dire de ce match contre Metz ? La situation ne s'est pas améliorée et voici face à face deux équipes qui vont lutter à la vie et à la mort pour le maintien en Ligue 1. C'est une réalité qui malheureusement nous est familière depuis quelques semaines et pour conjurer le sort à la Mosson, parce qu'il va bien falloir y parvenir, eh bien nous tiendrons, parce que le propos sera celui-là, nous ne tiendrons qu'à nous-mêmes les bonnes intentions pour que l'affaire tourne dans le bon sens. Mais dans le contexte, c'est un mot que j'utilise souvent ces derniers temps, qui est celui de l'équipe de Michel Derzakarian, il ne faut évidemment compter que sur soi-même, mais quand même avoir un œil viré et une oreille tendue vers ce qu'il pourrait se passer à côté. Et oui, regardons 30 secondes le classement, le calendrier pardon, des équipes qui nous précèdent. Les Nantais vont affronter Paris, les Lyonnais affronteront les Dauphins niçois et les Toulousains seront à Monaco. Derrière nous, il y a forcément les Messins, je ne vous fais pas un dessin, les Lorientais qui vont affronter Strasbourg et la Lanterne Rouge Clermont qui se déplacera à Monaco. À Rennes. Donc ce sera vraiment, vraiment difficile pour eux, autant que ce match contre Metz à la Mosson promet d'être un peu torboyau. Bon, il faut conjurer le sort, je vous l'ai dit, nous n'avons gagné qu'un seul match à domicile et pour que l'horizon soit demain plus radieux que le temps ce matin, eh bien il va falloir compter évidemment sur le niveau de nos joueurs, mais aussi sur le soutien du public. C'est la raison pour laquelle ce dimanche, face à Metz, parce qu'on a absolument besoin du soutien du public, le club a décidé de proposer des tarifs bien sûr à la baisse, des places abordables dès 8 euros. On a besoin de vous, les tribunes et les encouragements du public sont un paramètre indispensable, nécessaire, vital dans ce genre de situation. Ce Montpellier-Metz maintenant, eh bien il va falloir passer de la réflexion à l'action, autrement dit la parole est aux actes. À dimanche.